Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Welcome everyone. I will welcome you in English, and after we will switch to French, as His Excellency Mr. Gervais Rufyikiri, Vice President of the Republic of Burundi, will introduce and talk about the important conference that is taking place in Salle 19, à l'autre côté du Palais. Vous êtes tous bienvenus là-bas, pour ceux qui veulent venir assister à la conférence. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une belle exposition des photos sur Burundi qui est dans la salle juste en face de la salle 19. Il y a un site web pour la conférence aussi, pour tous les documents concernés, les documents, les background documents, etc. C'est www.burundiconference.org. Et ça, c'est un outil, une source importante pour ceux qui veulent voir la raison d'être, la raison pour laquelle il y a cette conférence, les défis au Burundi, aussi le document d'action pour la réduction de la lutte contre la pauvreté qui est en discussion pendant cette conférence. Mais j'aimerais vous introduire à Monsieur, à Son Excellence Rufyikiri, qui est le vice-président de la République de Burundi. Merci, Monsieur le modérateur. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Je vous remercie d'abord pour votre participation à cette conférence des partenaires au développement du Burundi qui se tient à Genève depuis aujourd'hui. En guise de rappel, l'objet de la conférence est la mobilisation des moyens nécessaires pour le financement de la réalisation des programmes prioritaires retenus pour les 4 prochaines années. C'est une occasion pour le gouvernement du Burundi de présenter les avancées réalisées en matière de consolidation de la paix et de développement social et économique du Burundi depuis 2007 à nos jours, période qui coïncide avec la mise en œuvre du premier cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté première génération. C'est aussi l'occasion de montrer les grands défis en matière de développement social et économique auxquels les Burundais font face de nos jours et de proposer la mise en œuvre des programmes prioritaires retenus dans le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté deuxième génération comme voie de lutter contre la pauvreté au Burundi. Et enfin, c'est l'occasion de solliciter un engagement des partenaires au développement du Burundi, d'appuyer techniquement, matériellement et financièrement toutes les étapes de mise en œuvre du CSRP2. S'agissant des avancées enregistrées en matière de gouvernance politique, il y a lieu de mentionner la paix et la sécurité qui sont une réalité sur l'ensemble du territoire burundais, la mise en place réussie des forces de défense nationale composées d'anciens belligérants, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants, le rapatriement et la réinsertion des réfugiés et l'organisation en 2005 et 2010 des élections libres, transparentes et équitables. Concernant les progrès enregistrés en matière de gouvernance sociale et de promotion de l'état de droit, l'on peut mettre en relief l'initiation et la mise en œuvre des réformes législatives et institutionnelles importantes pour améliorer les conditions d'accès à la justice, la préparation avancée dans la mise en œuvre des mécanismes et instruments nécessaires pour une justice transitionnelle de la Commission Vérité et Réconciliation, la mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et de l'institution de l'Ombudsman, l'existence au Burundi d'une presse libre et très indépendante fortement représentée dans cette conférence et qui contribue à la promotion de la liberté d'expression, l'existence d'une société civile réputée dynamique, également fortement représentée dans cette conférence, l'intégration et l'implication de la femme dans les organes de prise de décision, l'amélioration de l'accès de la population aux services sociaux de base, en l'occurrence, d'une part, la scolarisation gratuite de tous les enfants en âge de scolarisation au niveau de l'école primaire, ce qui a permis la réalisation de l'axe 2 des objectifs
du millénaire pour le développement qui recommande aux pays d'assurer l'éducation primaire pour tous. D'autre part, la gratuité des soins de santé pour les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes et celles qui accouchent, ayant eu pour résultat l'augmentation du taux d'accouchement dans les structures sanitaires, tandis que les taux de mortalité des femmes en accouchement et le taux de mortalité infantile ont baissé sensiblement, et une augmentation remarquable des infrastructures comme les écoles et les centres de santé construits grâce aux travaux de développement communautaire. En matière de gouvernance économique, le Burundi a également enregistré des avancées très significatives, dont les plus saillants sont des progrès très spectaculaires dans la lutte contre la corruption et les malversations économiques et financières, et dans la lutte contre la fraude fiscale, qui se traduisent par une hausse remarquable des recettes collectées par l'Office burundais des recettes. Les résultats d'une enquête réalisée cette année par Transparency International ont confirmé ce progrès. Le Burundi est classé deuxième pays dans la lutte contre la corruption sur les 5 pays constituant la communauté est-africaine, alors qu'il occupait toujours la dernière position les années précédentes. L'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques et des marchés publics est un autre progrès. On mentionne aussi comme progrès l'amélioration du climat des affaires pour promouvoir le développement du secteur privé. Le Burundi vient d'avancer de 13 places dans le rapport Doing Business 2013 par rapport au rapport précédent sur le classement des économies par la Société financière internationale de la Banque mondiale, en même temps que le même rapport classe le Burundi 5e pays parmi les top 10 les plus réformateurs de l'année. Certes, le Burundi a fait des avancées, mais il fait également face à des défis de taille à relever, dont les plus importants portent sur la promotion effective d'un état de droit, où des séquelles inhérentes aux périodes de conflit sont complètement levées, la promotion d'un dialogue inclusif et constructif pour consolider l'esprit de citoyenneté, de tolérance politique et de cohabitation pacifique, l'augmentation du taux de croissance économique à même de satisfaire les multiples besoins d'une population en attente des dividendes de la paix, la résolution du problème de l'insécurité alimentaire, des cas de malnutrition chronique intimement liés à la forte croissance démographique, la fourniture au Burundi d'une énergie suffisante à même de satisfaire la demande sans cesse croissante en énergie électrique et assurer en même temps la fourniture d'une énergie de qualité fiable, et la promotion du secteur touristique et du secteur minier comme pilier du développement du pays. Alors, comme solution proposée dans le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, il y a lieu de mettre en exergue la mise en place de ce cadre, notamment ces programmes prioritaires qui visent essentiellement à améliorer l'état de droit, accroître la productivité du secteur agricole, résorber le déficit énergétique, promouvoir le tourisme, développer les infrastructures, apporter un appui soutenu au développement du secteur privé, consolider les programmes déjà initiés en matière de développement du capital humain, promouvoir les secteurs sociaux, comprenant notamment la santé, l'éducation, la maîtrise de la démographie, les questions de l'environnement et les questions du genre, et poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le gouvernement du Burundi attend beaucoup de cette conférence et est optimiste quant aux engagements de ses partenaires au développement qui l'ont accompagné sans relâche pendant les moments les plus difficiles de conflit et qui sont déterminés à l'accompagner jusqu'au bout afin de faire du Burundi un modèle en matière de consolidation de la paix, de stabilité et de promotion de la démocratie, condition sine qua non du développement durable.
En terminant, mesdames et messieurs les journalistes, le gouvernement et le peuple burundais remercient vivement tous les partenaires au développement ici présents dans cette conférence. Il s'agit d'un témoignage éloquent de soutien et d'accompagnement du peuple burundais dans ses efforts de développement social et économique, et plus particulièrement le CCRP2 de l'enveloppe globale pour toute la période de sa mise en œuvre s'élève à 2,1 milliards de dollars américains. Je vous remercie et vos questions sont les bienvenues. Merci, Monsieur le Vice-président. Ouvrez la salle pour des questions. Oui, bonjour, Monsieur le Deuxième Vice-président, Jean-Pierre Boris, journaliste à RFI à l'appareil. Il semble qu'il y ait, avant même l'ouverture de cette conférence, une petite divergence entre les bailleurs de fonds et vous-même, puisque certains bailleurs précisent que l'objectif n'est pas ici de drainer des fonds pour vos plans de développement, alors que vous-même avez précisé lors de votre intervention ce matin qu'il était précisément pour vous question de repartir avec des promesses et des engagements, et vous avez lancé un appel à ces promesses et à ces engagements. C'est ma première question. La deuxième, c'est pourquoi est-ce que le président de la République du Burundi n'est pas là? Merci. S'il y a trois questions, on va répondre à trois. Monsieur le Président, j'aimerais répondre. S'il y a deux autres questions, on va prendre trois questions à la fois. C'est chaque, c'est le premier, c'est juste one by one. Ok. Merci pour la question. Notre président de la République n'a pas pu prendre part à cette conférence, mais il suit de près le déroulement de cette conférence. Et a suivi et soutenu et s'est engagé dans le processus depuis sa préparation jusqu'à cette minute-ci. Il a eu d'autres de empêchements, mais par ailleurs, il a confiance à la délégation qui représente le Burundi pour présenter et bien expliquer, même parler des détails sur les grandes préoccupations du peuple burundais, d'abord en présentant les avancées, les défis et les programmes prioritaires. Et les programmes prioritaires, ainsi que les besoins de financement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour nous, nous pouvons dire qu'il est suffisamment représenté à travers la délégation, qui est aussi une délégation de haut niveau, qui comprend plus de 10 ministres et beaucoup de hauts responsables de l'État, présidé par le deuxième vice-président de la République. Donc, c'est une délégation à même de satisfaire les attentes de différents participants. Monsieur, est-ce qu'il a répondu à votre question? Vous avez une autre question à poser? Oui, j'avais une question sur ce qui me semblait être des divergences entre les bailleurs de fonds et le gouvernement du Burundi, puisque monsieur le deuxième vice-président a lancé un appel clair ce matin lors de son intervention concernant un appel aux dons, en quelque sorte, au financement de ce deuxième plan de développement et de lutte contre la pauvreté. Alors que du côté du PNUD, par exemple, on précise que ça n'est pas l'objectif, que l'objectif c'est de convaincre effectivement du bien fondé de la stratégie économique suivie par le Burundi, mais que au fond, on n'est pas là pour ramasser de l'argent. Bon, je crois qu'il n'y a pas de divergence de langage, c'est question de termes utilisés. Parce que le processus de préparation de ce CCRP2 a associé tout le monde, les acteurs nationaux, mais aussi les différents partenaires au développement du Burundi. Et donc, c'est un document d'abord de consensus où les priorités ont été arrêtées de commun accord avec les différents partenaires. Et ces priorités tiennent compte des besoins à la base parce que le processus a été participatif
toutes les couches de la population se sont exprimées sur pour arrêter donc ces différentes priorités. Alors, l'objet de la conférence, c'est une occasion pour le gouvernement du Burundi d'expliquer de vive voix le contenu de ce cadre stratégique de croissance de lutte contre la pauvreté, qui permet de montrer que le Burundi, s'il est dans un état de pauvreté aujourd'hui, des voies et moyens sont proposés pour évoluer aussi vers la lutte contre cette pauvreté. Et c'est ce qu'on intend de faire. Et évidemment, après que le gouvernement du Burundi ait expliqué donc ses préoccupations, et la chose qui reste, c'est l'engagement des partenaires. Qu'est-ce que les partenaires vont faire pour, après avoir écouté les préoccupations du gouvernement, et qu'est-ce que les partenaires vont en faire? C'est, de notre côté, nous sollicitons un appui pour compléter les efforts du gouvernement. Et là, je le rappelle, le développement du Burundi, c'est d'abord l'œuvre des Burundais eux-mêmes, mais compte tenu de son histoire et de sa situation économique actuelle, les Burundais ont besoin d'être appuyés par les amis de la communauté internationale. Et c'est à ce titre que nous, on sollicite un engagement. Et un engagement, ça ne veut pas dire que nous allons rentrer avec des poches, donc des sacs d'argent, mais on a besoin d'un engagement pour promettre et s'engager sur quelque chose qui va être se réaliser et promettre le financement des différents programmes qui ont été proposés de commun accord. Et là, je puis vous assurer que, avant de venir dans cette conférence, nous avons effectué des contacts préliminaires ciblés auprès des différents partenaires et il y a un engagement ferme pour accompagner le peuple burundais et accorder des financements nécessaires pour financer la moitié, puisque le Burundi est capable de mobiliser à peu près l'autre moitié. Radio France Internationale Afrique. Monsieur le vice-président, j'aimerais d'abord savoir vos impressions sur la participation des partenaires. Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à donner quelque chose ou bien des engagements que vous venez de citer? Là, je suis très satisfait de la participation des différents partenaires. Et sur environ 120 participants qui avaient, donc délégations qui avaient été invitées, il y a plus de 100 délégations qui sont présentes dans cette conférence, ce qui montre que c'est vraiment un taux de participation très élevé. Et les différents partenaires qui ont été invités vraiment ont tenu à répondre à l'invitation et à prendre part à cette conférence. Mais aussi, c'est une participation que je dirais de haut niveau, puisque les différents partenaires ont délégué des personnes à mesure de prendre des déclarations et de prendre des engagements au nom des organisations ou des pays qui les ont mandatés. Et ici, je signale par exemple la présence du commissaire européen au développement, donc de l'Union européenne. Alors, quant aux engagements, nous réservons cette séance dans l'après-midi, vers la fin de l'après-midi et dans la matinée de demain. C'est là où les organisateurs ont prévu des séances de déclaration des différentes délégations pour annoncer leurs engagements, leur soutien au gouvernement du Burundi dans cette marche vers la lutte contre la pauvreté. Mais je peux vous rassurer, comme je viens de le dire, les contacts préliminaires nous ont permis d'être optimistes que les déclarations seront très, très positives. Merci. Merci Freddy Moulongo pour Réveil FM International. Monsieur le vice-président, qu'en dites-vous, disons, de la déclaration de l'International Crisis Group qui s'inquiète de la dérive autoritaire de votre gouvernement, mais aussi du retour de la violence politique au Burundi, et il s'inquiète aussi par rapport au dialogue qui est rompu avec l'opposition, et cette dégradation politique risque, dit-il, de compromettre la préparation des élections de 2015. Qu'en dites-vous?
Je vous remercie pour la question. Vous savez, nous évoluons dans un contexte démocratique. Et comme on l'a dit, le Burundi, je crois qu'il est très avancé en matière de liberté d'expression, non seulement pour les Burundais, mais aussi pour la communauté internationale qui veut s'exprimer dans un sens ou dans un autre sur les questions qui concernent le Burundi. Alors, ce qui compte, c'est la vision des Burundais. Quels que soient les commentaires, le Burundi a son passé. Le Burundi a eu un passé sombre et le Burundi a eu le temps de s'évaluer et de décider de faire un autre chemin et de tourner la page de l'histoire du Burundi pour se classer parmi les pays qui se modernisent. Le Burundi donc a une histoire. Ce qui est important, c'est qu'il y a une détermination de tous les Burundais, dans leur grande majorité, pour cheminer et consolider les acquis de paix. La guerre, aujourd'hui, c'est de l'histoire au Burundi. Qu'il y ait l'une ou l'autre personne qui n'a pas encore peut-être adhéré à ce processus, vous savez, c'est toute une dynamique que je peux considérer comme normale. Quand un pays a subi une longue période de guerre de plus de 10 ans comme le Burundi, ce n'est pas en un jour que tu parviens à désarmer tous les esprits. Mais ce qu'on a constaté, c'est que depuis la signature des accords de cessez-le-feu et depuis le début de mise en application de ces accords, les conditions de paix et de sécurité ne font que se consolider et se renforcer. C'est pourquoi le président de la République ne cesse d'appeler tous les Burundais qui sont encore en exil pour telle ou telle autre raison ou prétexte de rentrer et de participer à la construction de cette mère patrie. Aujourd'hui, le peuple burundais se prépare effectivement pour les élections de 2015. Et les conditions, puisqu'il y a la paix, puisqu'il y a le cadre légal qui autorise le multipartisme, et puisqu'il y a une volonté de laisser les partis, dont les différents partis s'organiser, rien n'empêchera que les élections de 2015 se passent dans un cadre de multipartisme. Alors, tout ce qu'on peut demander, c'est de demander aux différents partis politiques de se préparer d'une manière constructive à cette échéance de 2015. Merci. Est-ce que j'ai un peu, pour la première fois, on me semble que le journaliste qui parle. Bonjour, je suis de la RPA. Radio Publique Africaine. Monsieur le Vice-Président, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes satisfait du fait que les différents représentants des partenaires et des personnes présentes soient capables de prendre des engagements au nom de leur pays. Est-ce que, dans le sens inverse, l'appareil peut être demandé au gouvernement? Est-ce que vous, Monsieur le Deuxième Vice-Président, êtes prêt? Allez-vous vous engager dans toutes les différentes recommandations et souhaits et qui vont être formulées, allez-vous vous engager au nom du gouvernement à les mettre en place ou à les appliquer ou à les respecter? Puisque le président de la République, comme vous l'avez dit, a été empêché. Bon, le gouvernement que je représente ici dans cette conférence a déjà pris cet engagement. C'est pourquoi il y a eu des séances d'appropriation de ce cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté. Deuxième génération, qui reconnaît des avancées et surtout qui décrit très bien les défis. Alors, quand on décrit des défis et qu'on les reconnaît, c'est que justement on est prêt à en assumer et on est prêt à y trouver des solutions. Et c'est ça justement les programmes prioritaires qui sont proposés dans le CCRP2 partent de cette reconnaissance qu'il y a des défis et que le gouvernement est prêt à affronter ces défis
et à y apporter des solutions. Bien sûr, certains défis nécessitent des moyens, beaucoup de moyens, dont le gouvernement seul n'est pas capable de mobiliser à l'interne. Et c'est pourquoi cette conférence des partenaires vise justement la mobilisation des moyens additionnels pour compléter les efforts des Burundais. Donc là, je peux vous garantir que le gouvernement a pris justement son choix de reconnaître qu'il y a des défis et d'accepter de fournir tous les efforts nécessaires pour trouver des solutions. Il nous semble aussi de Télé-Renaissance au Burundi. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez identifier votre média? Je m'appelle Innocent Mouhosi de Télé-Renaissance. De Télé-Renaissance au Burundi. Monsieur le vice-président, vous avez souligné de manière pertinente la batterie des réformes dans le secteur social et économique qui ont été entreprises au Burundi et qui sont reconnues, notamment par les récents rapports des uns et des autres, en termes de réformes positives pour le Burundi. Mais en même temps, il y a certaines lois qui sont là, sur la table de l'Assemblée aujourd'hui, qui inquiète de manière très explicite la presse indépendante, la société civile et bien d'autres acteurs, et qui sont des lois vraiment répressives. Vous avez reconnu certains des défis, mais comment expliquer que des lois comme celle-là soient encore aujourd'hui sur la table du gouvernement et de l'Assemblée, alors que vous êtes parfaitement conscient que c'est des lois qui vont vraiment à contre-courant de ce que vous essayez de faire aujourd'hui? Je vous remercie aussi de cette question qui constitue une préoccupation. Et effectivement, il y a des lois qui sont sur la table du Parlement. Et comme vous le savez, il y a séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et le Parlement a la latitude d'examiner en toute indépendance les propositions de loi qui lui sont envoyées par l'exécutif. Et je sais que la société civile, les médias se sont exprimés là-dessus. Et c'est sûr que le Parlement ne ferme pas les oreilles et tiendra compte dans leurs analyses des différentes contributions et de leurs propres analyses pour décider en définitive de la forme qui sera donnée à ces projets de loi. Oui, Catherine Fiancan-Bokonga pour l'agence de presse chinoise Xinhua. Monsieur le vice-président, j'aimerais d'abord vous poser une question concernant les projets. Vous nous avez annoncé que vous pensez que 50% des projets qui sont mis sur la table seront financés. Pouvez-vous nous donner une idée du montant qui va être financier, qui va être apporté? Et puis, la deuxième question, j'ai cru comprendre que vous avez également rencontré des partenaires privés et que vous avez eu l'occasion de rencontrer divers représentants de sociétés privées ici à Genève hier. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à ce sujet? Merci. Merci pour les deux questions. Alors, concernant le montant de besoin de financement, il est évalué à 2,1 milliards de dollars américains. Et le gouvernement du Burundi estime qu'il sera capable de mobiliser à partir des ressources intérieures, environ 48% de son montant, et le reste est sollicité comme appui des différents partenaires. Alors effectivement, hier nous avons eu une rencontre avec un groupe d'investisseurs. C'était sur principalement le secteur concernant l'amélioration de la productivité du secteur café au Burundi. Et nous avons eu de très belles discussions et le souci partagé avec ces investisseurs étant de voir comment augmenter investir dans la chez les caféiculteurs en vue de l'augmentation de la productivité par unité de surface pour permettre justement, dans le cadre de cette recherche de voies et moyens pour lutter contre la pauvreté, de monétariser le monde rural sur toutes les zones qui sont caféicoles. Et donc, c'était l'objet de cette rencontre d'hier. Et un mémorandum a même été signé par
la ministre de l'Agriculture et de l'Élevage avec le représentant d'une fondation en cours de création, Fondation Kahawatu. Jean-Claude Nguito de la BBC. Monsieur le vice-président, vous avez parlé de la guerre qui est du passé au Burundi pour le moment, mais dernièrement, on a entendu parler de mort d'homme à cause d'une agression qui semblait être extérieure. Est-ce que vraiment on peut parler d'une guerre au passé ou on peut parler d'une fissure dans le dialogue qui n'a pas abouti à tout ce qui était son projet? Est-ce qu'on peut estimer que le Burundi n'a que des problèmes ponctuels de sécurité où il y a vraiment une guerre qui reprend au Burundi? La deuxième question, monsieur le vice-président, c'est à propos de la presse indépendante et de la liberté d'expression. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient ne pas en discuter, parce que en regardant même votre délégation, il y a des journalistes indépendants qui sont venus avec vous. Mais il y a quand même une réalité à ne pas omettre. Il y a le journaliste Eluvakuti qui est en prison pour le moment. Est-ce que vous trouvez normal qu'avec tous les efforts que le Burundi fait dans le sens de la presse indépendante, il reste encore un journaliste arrêté pour avoir osé annoncer son opinion? Merci. Merci. Concernant ce que j'ai dit, que la guerre est devenue le passé du Burundi, ça je peux le répéter. Vous savez, partout au monde, je ne connais pas vraiment un seul pays où il n'y a pas de cas de violation des droits de l'homme et même l'usage des armes dans des pays même les plus démocratiques que nous prenons pour modèle. Alors, pour le Burundi, qui est un pays en situation post-conflit, où toutes les armes ne sont pas encore retirées des mains de la société, des mains des civils, qui normalement n'en ont pas le droit de par la loi burundaise d'en porter, il n'est pas surprenant justement qu'il y ait des cas qui ont des ressemblances à une situation d'agression, de guerre. Mais aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que, à part des cas parfois dissimulé sous forme de banditisme armé, bien sûr, avec une certaine complication, parce que dans un pays en situation post-conflit, où les programmes de démobilisation n'ont pas été achevés, où des problèmes d'emploi se posent pour la jeunesse, il n'est pas surprenant qu'il y ait des gens qui se trouvent facilement attirés par des promesses d'armes qu'ils peuvent utiliser pour piller pour leur compte et tuer pour le compte de celui qui a fourni les armes. Nous sommes heureux au Burundi de constater que de telles initiatives malheureuses, heureusement, n'ont pas la chance d'aboutir. Il y a effectivement des tentatives. Et sûrement qu'il peut y avoir l'un ou l'autre esprit qui croirait encore à un raccourci pour tenter de gagner la vie autrement. Mais le constat, sur la base de l'analyse de la situation actuelle, de l'engagement de la population burundaise, de la détermination des forces de défense et de sécurité pour préserver la paix, je peux encore une fois le répéter sans me tromper que la guerre est devenue du passé. Tout ce qu'il faut, c'est d'accélérer, de trouver des solutions aux multiples défis, particulièrement lutter contre la pauvreté. Le grand ennemi commun aujourd'hui, ce n'est plus les différences au niveau appartenance ethnique, ou bien de région, ou bien de genre, ou bien de quoi.
le grand ennemi d'aujourd'hui, c'est la grande pauvreté, qui n'a pas de distinction entre les ethnies, entre les régions, entre différents groupes, mais qui frappe tout le monde sans distinction. Nous sommes convaincus que en accélérant la croissance économique, et particulièrement en améliorant le niveau de vie de la population burundaise, en favorisant des conditions qui permettent la création d'emplois pour occuper les jeunes, scolarisés et non scolarisés, nous sommes sûrs que nous pourrons maîtriser toutes ces questions de divergence sociale et qui risquent de générer des crises d'ordre social. Et là, je donnerai pour exemple. Alors que jusqu'au début de 2011, la province de Bujumbura, communément appelée Bujumbura rural, était caractérisée par un climat de méfiance aux initiatives du gouvernement. Lorsque le président de la République a décidé en début de l'année passée d'y investir au moins un tiers des matériaux de construction des écoles et centres de santé, de tous les matériaux qui étaient destinés dans l'ensemble du territoire, et que toute la population s'est trouvée occupée à construire, à chercher le moelleau, à chercher le sable, à chercher les briques, les uns à chercher donc tout matériau de construction. Immédiatement, on a vu un changement complet, et la région est citée parmi les provinces les plus stables, ce qui n'était pas le cas avant cette décision. Alors, cela a confirmé que les problèmes d'armes qu'on observait dans cette province de Bujumbura rural, les tueries qui étaient vraiment excessives dans cette province de Bujumbura rural, n'étaient pas en aucun cas liées à une revendication quelconque d'ordre politique, c'était plutôt un problème d'ordre social. Donc, l'objet de cette conférence, non seulement c'est pour mobiliser les moyens pour financer des travaux, mais aussi à travers la croissance économique, la lutte contre la pauvreté, nous sommes sûrs qu'il résultera une stabilisation davantage du Burundi. Alors, pour ce qui est du journaliste Ruvakuki, et la question est dans les mains de la justice et on attend tous donc les conclusions de la justice et parce que vous savez, dans un pays encore une fois en situation post-conflit ou des réflexes de violence et surtout dans ce contexte de région des Grands Lacs, des réflexes de violence de recours à la force existent encore et pour moi et je ne saurais pas dire que la justice qui a fait des investigations et qui est en train de faire des investigations doit trancher dans un sens ou dans un autre. Donc, je ne fais que patienter pour attendre donc l'issue de ces investigations de la justice. Son Excellence devait partir normalement au 1h15, mais avec son accord, on pourra encore deux questions de plus. Donc, madame et ensuite monsieur là-bas. OK, madame. Merci de m'accorder la parole. Je suis Nancy Netmoutoni de la radio et télévision REMA. Nous sommes ici à Genève pour parler de la deuxième génération du CCLP. Ma question, c'est de savoir comment, Excellence, deuxième vice-président de la République, vous évaluez la première génération de ce cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et quels sont les espoirs que nous pouvons avoir pour cette deuxième génération. Merci. Merci pour cette question. Pour l'évaluation du premier cadre, donc la première génération du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, nous sommes satisfaits par les avancées, puisqu'il y a quand même des avancées, mais nous restons à notre soif, parce que toutes les attentes n'ont pas été satisfaites. Pratiquement dans tous les domaines, nous avons enregistré des avancées. Certains secteurs avancent plus vite que d'autres. En matière de consolidation de la paix,
le grand progrès à signaler, c'est l'arrêt de la guerre. Qui est le résultat des efforts et des financements dans ce sens. Bien sûr, l'esprit de cohabitation pacifique s'est renforcé, mais aussi on a d'autres défis comme la réussite des efforts dans le sens des mécanismes de justice transitionnelle. L'état des droits au Burundi s'est amélioré, malgré qu'il subsiste encore des défis. Et là encore, il suffit de voir le passé et de comparer avec le présent et d'espérer que l'avenir est meilleur. Certains défis ont trait notamment aux difficultés en termes de capacité matérielle, mais aussi capacité à ressources humaines. Mais justement, le CCRP2 va trouver des solutions à certains de ces défis. Et je ne pourrais pas prétendre affirmer que le CCRP2 apportera toutes les solutions aux problèmes des Burundais. Mais au moins, on est sûr qu'on va encore marquer un pas, qu'on va encore avancer. Dans le domaine économique, il y a des progrès. Sans aller dans les détails, que nous pouvons résumer en analysant l'évolution du produit intérieur brut, qui était de 106 dollars américains en 2005 et qui a été multiplié par deux de 2005 à 2011. Le PIB par habitant est un indicateur qui intègre beaucoup de sous-indicateurs, donc sans aller trop dans les détails. Et en matière sociale, les progrès les plus importants ont été observés dans le secteur de l'éducation. Tout au moins aujourd'hui, l'école primaire est ouverte à tous les enfants, même les enfants du pauvre. Et qu'on est en train de faire des efforts pour améliorer le taux d'accès à l'enseignement secondaire. Une mesure a été prise. Alors qu'en 2010, le taux d'avancement était de 33%. En 2011, ce taux a été rehaussé à 40%. Cette année 2012, le taux d'avancement du premier au secondaire a été de 50%. Et l'année prochaine, il sera de 60%. L'année suivante, de 70%. Et comme ça, on tendra vers un taux d'avancement normal sans filtre. Dans le secteur de la santé, aussi des progrès se remarquent. Et là encore, un indicateur qui permet de visualiser tous les efforts, c'est l'espérance de vie à la naissance, qui a augmenté de 2 ans et demi entre 2000 et 2011. C'est déjà une progression. Mais là encore, on reste à notre soif. L'espoir est d'arriver au moins à 60 ans d'espérance de vie, et au moins d'ici 2025. Et nous espérons d'y parvenir. Donc voilà, nous faisons donc une analyse du CCRP1 avec satisfaction des avancées, parce que ces avancées ont été conditionnées par les moyens qui étaient disponibles. Et aussi, nous ne pouvons pas oublier que le contexte économique et financier n'était pas du tout favorable. Ça coïncidait avec les moments de crise économique mondiale. Et ce qui a ralenti ou diminué même le volume des appuis ou empêché l'augmentation des appuis. Et donc nous espérons que le CCRP2, avec tous les programmes prioritaires qui ont été décidés, permettra d'apporter des solutions aux défis qui restent et tout au moins d'en atténuer l'ampleur. Juste avant la dernière question. Juste parce qu'il faut que son excellence s'en aille, retourne à la conférence, c'est important. Mais je vais vous rappeler que demain, je serai là à 10h30 pour le press briefing. Probablement, je vais amener le directeur du pays du PNUD de Burundi pour présenter un petit résumé de la conférence jusqu'à demain. Et on vous invite aussi ce soir, il y aura une soirée burundaise avec tout le monde de conférence, il sera.
Il y aura les danseuses, la musique aussi. Et vous aurez l'opportunité de parler avec les délégués pour savoir ce qui se passe pendant les 2 jours de la conférence. C'est hôté par le gouvernement suisse, donc vous êtes tous invités pour ce soir à 6h à l'Halle 14, qui est juste derrière l'Assemblée générale, devant la porte Prégny. C'est juste dans l'espace qu'il y a là. On vous invite aussi à voir une exposition des photos sur le Burundi. Le photographe est là avec nous. Et ça, c'est juste devant la salle dans l'espace qui est devant la salle à l'autre côté, la salle 19. Il y a aussi une exposition d'artisanat burundais et des produits agricoles des choses de Burundi. Et vous êtes tous invités aussi à assister à la conférence. La conférence est ouverte. Dernière question qui est la mesure avec le beau chapeau. Ok, oh, vous passez. Tout le monde connaît notre ami. Merci bien. Mohamed Chérif, Suisse Info. Monsieur le vice-président, lorsqu'on entend votre analyse, on a l'impression que le Burundi est sorti de ses problèmes et on lui souhaite cela. Mais lorsque vous parlez des défis, vous amputez ça au passé. Comme ont rappelé mes collègues tout à l'heure, votre gouvernement n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui comme difficulté, que ce soit le harcèlement des journalistes ou la non-intégration des anciens opposants, la participation de la diaspora, ainsi de suite. Merci pour la question, pour les questions. Alors, quand on parle des défis, on en parle dans l'ensemble. Et effectivement, et là encore une fois, on ne se trompe pas, le Burundi a un passé qui malheureusement affecte encore le présent. Le Burundi a connu une guerre violente pendant plus d'une dizaine d'années. Et même avant le début de cette guerre, le Burundi a connu une histoire marquée malheureusement par des crises. Tout cela affecte le présent. Pendant tous ces temps de guerre, ces moments de méfiance, ces moments de crise, les Burundais n'avaient pas du tout comme préoccupation le développement du pays. À l'agenda des programmes, la bonne gouvernance n'était pas la priorité, y compris même sur des questions fondamentales comme les droits de l'homme, et comme les droits d'expression, etc., etc. Encore une fois, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a des avancées. Et partir de ces avancées, espérer que toutes les questions peuvent trouver une solution. Aujourd'hui, on ne sait plus même compter le nombre de médias qui s'expriment librement. Ce n'était pas le cas, même jusqu'en 2000. Ce n'était pas le cas. En 2005, ça commençait timidement. Mais aujourd'hui, on a une presse indépendante, privée, libre. Aujourd'hui, on a une société très dynamique. Cette société n'existait pas pendant tous ces moments dont on parle. C'est-à-dire qu'on est en train d'avancer. Et heureusement, quelle soit la société civile, que ce soit les médias, ensemble, ils sont en train de contribuer aux côtés du gouvernement, aussi pour trouver des solutions à ces autres défis qui restent. Mais tout ce qu'on veut, c'est que on mette les pieds sur terre aussi. Le changement d'un pays qui sort d'une crise ne se fait pas en une journée. C'est tout un programme. C'est toute une évolution. Il faut travailler le cadre légal, des lois qui doivent être amendées, des lois qui doivent être initiées. Tout ça, ça prend du temps. Des institutions qu'il faut mettre en place. Encore faut-il que tous ces instruments aient suffisamment de moyens pour bien fonctionner et bien faire le travail. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, il y a une ferme volonté de changer l'image du pays sur tous les plans. Dans certains aspects, nous sommes très avancés et à une grande vitesse. Et certains autres aspects, je peux le considérer comme normal, avancent peut-être petit à petit, mais auront aussi leur temps d'être accélérés. Et ça, c'est le souhait justement du CCRP2. Le CCRP2 voudrait que tous ces secteurs avancent parallèlement. Quand vous analysez les programmes qui sont
prioritaires qui sont retenus, c'est justement, c'est ça qu'on veut pour changer complètement l'image de notre pays. Et là, on demande donc la contribution de tout le monde, et la contribution de la société civile, des médias, des privés, des partenaires, pour faire avancer ce beau pays. Et vous savez, en Kirundi, ce qu'on dit, on dit « intango y'amasoso n'ubuhanza ». Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un, je ne sais pas masoso, comment le dire en français, quand vous voyez quelqu'un avec une ligne bien tracée de cheveux, c'est que la calvitie commencera par là. Ça, c'est en Kirundi. Alors, dès qu'il y a des indicateurs qui montrent que le progrès est possible, il faut poursuivre ce chemin. Ce sera le chemin du changement. Et ce chemin, les Burundais l'ont déjà vu et sont déterminés à le poursuivre. Et ensemble, avec l'appui des partenaires, nous sommes convaincus qu'on y parviendra. Merci, Monsieur le Vice-président, de la part de Pounoud. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous. Et à vous aussi, tous les journalistes, à chacun. Et je vais parler après. Et je vous souhaite bonne journée à demain ou à plus tard aujourd'hui si vous pouvez venir à la conférence. Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.